Les aventuriers. Wow. Ouais. C'est nous. Wow. Les aventuriers. Préparez-vous à mourir. Cette fois, c'est la fin, Indy. Je suis tellement désolée de t'avoir emmené dans cette dernière aventure. T'inquiète, Lara. On est ensemble jusqu'au bout. C'est pas si mal, après tout. Vaim, j'ai un peu peur. Moi aussi, Tigrou. Hé, les obéissants. Je dis frère. Pourquoi est-ce que vous obéissez à Fate? Ah, Jones. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Taisez-vous. On a écrit une chanson en votre honneur. Laissez-nous vous l'interpréter. Dundee, avec moi. Purée, Flagella, tu fais chier. C'est ça ou nos amis vont mourir, Dundee. Allez, un petit effort. Zovitos, c'est super génial. C'est deux Zovitos, sont plus forts que le cosmos. Trois Zovitos, et c'est l'apothéose. Les adore ces gars-là, et vous allez comprendre pourquoi. Flagella, Dundee, qu'est-ce que vous foutez? Exactement! J'ai pas l'impression qu'il soit très convaincu par cette chanson lamentable. Lamentable? Ben merci. Un Zovitos, c'est carrément terriblos. Deux Zovitos sont plus forts que le cosmos. Trois Zovitos, et c'est l'apothéose. Je les adore, ces gars-là, et c'est pour eux que j'ai fait ça. Ouh! C'est à toi, c'est génial, Flagella! Alors, il prie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tuez-les! Mais tuez-les, enfin! Oh, Kamamatsu-so! Oh, Kamamatsu-so! Oh, non! Et vous, Fate, moins le malin avec votre tambourin! Voyez-vous, mon cher Fate, j'ai bien peur que vous ne parliez pas suffisamment Zovitos pour qu'il vous obéisse à présent. Si vous voulez bien me donner ce tambourin... Jones, qu'est-ce que vous faites? Okamamatsu-so! Mais où est-ce qu'ils vont? Revenez ici, bande de lâches! Ne me volez pas mon dirigeable! Mais non, c'est mon dirigeable! Oh non! Okamamatsu-so! Okamamatsu-so! Et ils vont lui piquer son ballon! Ah, c'est gonflé! Petit frère, ah, c'était sacrément impressionnant! Merci, Indy. Mais, au fait... Comment vous êtes arrivé ici? Eh ben, avec mon... Enfin, notre... Enfin, avec ton hydravion, Flagella. Mais il est où? Tu vois la fumée, là-bas? Non! Indy! Oh, je les avais prévenus que je savais pas atterrir. Désolé, frangin. Pas mal, hein? C'est à cause de ça que Fate nous a repérés. Eh, en parlant de Fate, où est cette ordure? Je suis là, mes amis! Et cette fois, vous allez mourir pour de bon! Fate! Salaud! Fate! Raclure! Fate! Ordure! Ah non! Non! Non et non et non! Ah, assez de ces injures, de ces insultes qui deviennent des sobriquets! Mon nom est Professeur Fate! Vous voulez dire votre fonction? Non! Fate est mon nom et Professeur mon prénom. Son prénom! Oh, je sais, vous vous moquez! Vous vous moquez! Et vous, Jones, vous vous êtes toujours moqué! Rappelez-vous déjà, quand nous étions ensemble à l'école, vous vous moquiez! Oh, cette ordure de Fate, ce lamentable Fate, cette andouille de Fate! Jamais un mot gentil sur Fate! Jamais un jour de Fate ou une bonne chose de Fate! Il n'y en avait que pour vous! Vous! Et vous allez me le payer, Jones! Après que je vous ai plus amplement expliqué le pourquoi avec une chanson. Oh, fais chier! Qu'on en finisse une fois pour toutes et puis c'est marre! Hein. Premier couplet où j'explique mes motivations! Tu t'es déjà demandé pourquoi Tom n'attrapait pas Jerry? Pourquoi Grominet n'avait pas encore bouffé Titi? Pourquoi malgré l'utilisation de fabuleuses techniques, le coyote n'a jamais pu stopper le... Salaud de Fate! Ordure de Fate! Pourquoi faut-il toujours ridiculiser Patibulaire, les Raptous et le Capitaine Crochet? Serait-ce représentatif de notre société? Un vilain a beau essayer, il ne peut arriver! Salaud de Fate! Raclure de Fate! Comment ne pas devenir enfant frustré par ces questions? En passant son samedi devant la télévision! En attendant l'école comme on attend une punition! Flingada et Iti me devrait-tu pas une correction? Voulant me décoller de cette étiquette, j'ai découvert un pouvoir aux multiples facettes pour échafauder la vengeance parfaite! Mon nom est Professeur Fate! Deuxième couplet où je dévoile mon plan maléfique!
J'ai donc étudié avec une grande attention les différents secrets de notre civilisation. Et fini par trouver celui qui, sans solution, écrivait une prophétie sur une partition. Salaud de fate, ordure de fate, ne restait plus qu'à y attirer ce qu'on appelle le fleuron des aventuriers. Et quoi de plus facile que de se déguiser sur la ligne finale, enfin les devancer. C'était lui? Oui, c'est bien moi qui vous ai fait venir ici. Moi qui ai fait revenir les anciens monstres à la vie. Et dans quelques instants, tout cela sera fini, car dans mes plans, les happy ends sont interdits. Vous faire mourir au pied de la pyramide secrète, vos questions sur ce qu'elle contient restant insatisfaites, vous subirez ainsi ma vengeance parfaite. Mon nom est Professeur Fake. Troisième couplet, où je vous ôte la vie. Oh, attendez une minute. Alors, c'était vous? Quoi? De qui? C'était moi. Vous ne m'aviez pas reconnu, n'est-ce pas? Je passe plutôt inaperçu dès que j'enlève ce chapeau. Regardez. Oh, le vieillard du temple d'Atlantis. Et regardez si je remets mon chapeau. Professeur Fate. Et hop, sans chapeau. Oh, le vieillard. Et le chapeau. Professeur Fate. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Oui, c'est moi. Oh, vous n'avez pas dit ordure, salaud ou raclure. Vous avez dit professeur. Bah, si ça peut vous faire plaisir. Vous n'imaginez pas à quel point. D'ailleurs, Agatha. Exactement. Et Indy aussi. Quack. Mais Lara. Il n'y a pas de mais ou de quack, hein. Dépêchez-vous. Bon. Professeur Fate, nous sommes désolés. Nous ne pensions pas être blessants à ce point. Et j'espère que vous saurez nous excuser, car c'était nous les vilains dans l'histoire, et pas vous. Mais vous êtes sérieux? Je ne pensais pas vraiment à ce que je disais. Pardon, Fate. Mais Fate, que diriez-vous de mener à bien cette aventure avec nous? Découvrir le secret de la pyramide suprême ensemble. Ouh, bonne idée! Après tout, c'est grâce à vous si je suis là aujourd'hui. Je ne sais plus quoi dire. Allez, dites oui, professeur. Moi aussi, je leur ai pardonné d'être bête. Je ne m'attendais pas. Bon, allez, mon vieux. Professeur Fate. Allez, professeur Fate. Professeur Fate. Professeur Fate. Oh, et puis mince, vous avez raison. Je m'ennuie comme un rat mort depuis des lustres, au point que cette histoire de vengeance m'a gâché mes plus belles années. Ouvrons cette pyramide secrète. Si je suis déçu, je pourrai toujours vous tuer après, hein. Incroyable mais vrai, touché par l'honnêteté de ses ennemis, le professeur Fate les voyait à présent comme de nouveaux amis. Parfois, le désir d'aventure est plus fort que les rivalités et les tensions. Notre fine équipe doit à présent découvrir le secret ultime de la pyramide. Rendez-vous dans le prochain et dernier épisode des Aventuriers, vers l'aventure et au-delà. Les aventuriers!